Mesdames et messieurs, le pays est en guerre depuis 2 heures. Les villes de New York, Boston et Washington ont été les cibles d'attaques surprises de la part des forces allemandes. Le bilan des pertes n'a pas encore été chiffré. On nous signale des combats sur toute la côte est du pays. Des gardes nationaux nous ont donné l'ordre d'évacuer. Je crois que c'est là. Caporal Nelson, 9e régiment. Ça, c'est Carson. C'est un civil, mais il s'est montré plutôt efficace jusqu'à présent. C'est quoi la situation ? Le nid de mitrailleuse dans la rue nous bloque le passage, chef. Le soldat Stanley a été touché. Et puis le soldat Frédéric s'est parti avec des grenades. Il a dit qu'il allait nettoyer tout ça, mais ça fait un bon bout de temps, chef. Bon, Carson, va voir si tu peux te charger de cette mitrailleuse ou retrouver Frédéric. Moi, je vais rester ici pour soigner les blessures de Stanley. Attention, ces dirigeables d'assaut patrouillent. Ne te fais pas prendre dans leurs projecteurs. Faut que tu sortes d'ici. Va jusqu'au tunnel du métro. C'est un raccourci jusqu'à la gare de marchandises. Je vais t'emmener à Washington. Au courage.
des hommes de Callahan? Bon, faut qu'on aille à la gare. Transfusion et lunettes, ça pourrait s'avérer utile. Attention! Des tireurs d'élite!
dans le train. Allez, le train va bientôt partir. Mesdames et messieurs, il vaut mieux rester chez soi en ces temps tumultueux. On signale de nombreux combats entre insurgés civils et forces d'occupation allemandes sur toute la côte est occupée. Le ministre de la propagande allemande a annoncé ce matin que le président américain Thomas Dewey et le vice-président Halley avaient déjà renoncé à leurs fonctions. Aucune justification n'a été apportée. Le président de l'Assemblée, James Edward Stevenson, a été nommé président peu de temps après. Sa première décision a été d'annoncer la capitulation des États-Unis et de demander à l'armée de baisser les armes. Et nous venons d'apprendre que le général George Donnelly, défiant les ordres de Stevenson, a mené une attaque sur la cour fédérale à Washington, où se trouvait le ministre de la propagande. Donnelly a été capturé. Considéré comme traître, il risque la peine capitale. L'exemple de Donnelly inspirera certainement les forces de la résistance qui combattent l'occupation allemande. C'était Lloyd Edwards. Bonsoir.